papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the mirror way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Yeah.
présenter le jeu de Go. C'est un jeu d'origine chinoise où le but est d'avoir le plus de territoire de sa couleur. Alors, on joue avec des pierres noires et des pierres blanches. Chacun à son tour, les joueurs vont poser une pierre sur une intersection libre. Comme ceci, par exemple. On peut vraiment les poser où on veut. Même dans les coins, c'est pas un souci. En règle simplifiée, qu'on utilise à Strasbourg pour initier les enfants, on dit qu'une pierre posée, c'est égal à un point de territoire. Donc le but du jeu, c'est d'avoir le plus de pierres de sa couleur sur le terrain. Si on refait la partie, on se rend compte que si l'on joue, l'on répond, l'on joue, l'on joue. On se dit qu'il y aura toujours le même nombre de pierres sur le terrain. Blanc aura toujours noir, pardon, aura toujours un point de plus que blanc. Or, il y a une règle dans ce jeu qui permet en fait de retirer les pierres du terrain en les encerclant. On imagine cette pierre. Elle a en fait ce qu'on appelle quatre libertés, c'est-à-dire les intersections libres qui sont juste à côté d'elle. Si l'adversaire joue sur ses libertés, ici, la pierre noire sera capturée. Elle est retirée alors du terrain, ce qui enlève des points en fait à notre adversaire et ça en rajoute chez nous. Donc le but, c'est d'avoir plus de territoire. Bien sûr, on peut gagner sans capturer si on est assez. La capture n'est qu'un moyen. Par exemple, sur le terrain, si on a deux pierres comme ça, vu qu'elles sont en fait connectées ensemble, on ne peut pas les capturer séparément. On est obligé de capturer tout le groupe. Comme ceci. Cette fois, on les enlève du terrain. Maintenant, on va se rendre compte qu'en s'encerclant l'un et l'autre, on va être capturé. Mais en fait, il y a une exception à la règle de capture. Ici, dans cette situation, noir n'a pas le droit de jouer ici. Ce qui paraît logique, parce que s'il joue ici, il est capturé par la pierre blanche instantanément. Pareil, sur le terrain, si on a une configuration comme ceci, noir n'a pas le droit de jouer ici. C'est un coup interdit pour lui. On appelle ça un suicide. Donc la règle du suicide nous interdit de jouer ce genre de coup. Mais on imagine maintenant que noir ait réussi à jouer sur les libertés extérieures de ce groupe blanc-là. Que se passe-t-il si noir joue ici? En fait, lorsqu'il joue ici, il a le droit parce qu'il capture le groupe blanc qui est ici. Il est retiré du terrain et donc ce coup-ci est plus accessible pour noir. Voilà. Donc, on imagine encore de nouveau cette situation. Vu qu'ici, un espace interdit ne suffit pas, on va essayer d'en créer un deuxième. Si par exemple, on peut jouer cette forme-là. Maintenant, on va essayer de capturer ces pierres en jouant sur les deux libertés qui lui restent. Mais ce coup-ci est un suicide. Parce que cette pierre n'a pas de liberté et ne capture pas encore les pierres blanches, parce que les pierres blanches ont encore une liberté là. Donc ce coup-là est interdit pour noir. Pour la même raison, ce coup-ci est interdit pour noir aussi. Donc, comme noir ne peut pas jouer sur ces deux intersections-là, on dit que le groupe blanc est imprenable et qu'il est vivant en fait. Donc le but du jeu, en fait, c'est de construire des gros groupes de pierres qui sont vivantes. Celui qui a le plus grand nombre de pierres sur le plateau va gagner. Voilà, c'est aussi simple que ça.